ou presque en tête de liste, comme moun qui n'ta ka dit gouger les fonds de l'ONA au détriment de n'ta ka dit l'autre monde qui contribuait à mettre fonds ça sous pied. Yo pose question pour qui ça c'est docteur Boulos qui pour joindre des centaines de millions prêtés à un taux et n'ta ka dit est très abordable. Est-ce que l'elle investit dans bagaille qui permettre 5000 10000 moun bénéficier de li qui joine travail là-dedans etc. Ou gen tout ça docteur Boulos et c'est et monsieur certain gen des moun qui t'a dit pour qui ça original Boulos à l'entrée colle dans ça dans moment que n'ta ka dit perception pas favorable avec lui. Expliquez pour qui ça docteur Boulos t'est obligé rentrer dans logique à le prêter on masse l'argent. Bon, on connaît c'est classe moyenne qui a parlé. Donc quel que soit l'argent, ou pour tout, elles sont masse pour moyenne qui a parlé, sont masse l'argent. Les qui n'a pas représenté grand-chose pour classe possédante. Mais sont masse l'argent que lui comparé avec une quantité de monde qui en ligne qui t'a même un outil bail prêté pour faire un bagage docteur Boulos. Va me répondre bien. D'abord, la loi organique de l'ONA dans son article 205 donne à quoi doit servir les recettes de l'ONA. Premièrement, au fonctionnement de l'ONA, mais qui ne doit pas dépasser plus de 10% du montant des recettes. Ça, c'est une bagarre que moi-même, c'est une bagarre qu'on a pour m'impouler depuis longtemps, et jusqu'à présent, pour faire. OK? Deuxièmement, au paiement des pensions. Troisièmement, en numéro 3, oui, à des placements rentables pour l'ONA. Je lis pour toi l'article 205. Numéro 3, à des placements rentables pour l'ONA. Et quatrièmement, à des prêts par ceux qui ont contribué. Place, si l'ONA prend Koblia, il n'est pas placé. On ne peut pas priver. Là, pour l'arriver dans 10-15 ans, pour la payer, une pension, une petite en pension, yo, l'argent pour le payer, le pas cap adapté à l'inflation et au coût de la vie, on a son monnaie. Qu'est-ce que Reginald Boulos a fait à l'ONA? C'est le meilleur placement que l'ONA a jamais fait. C'est le bon chiffre. Comme on dit, masse l'argent, c'est le bon chiffre. Troisième, si pour classement, il doit pas aller, c'est une masse l'argent tout. D'accord. Okay? Qui s'est monté en prêté à 700 millions de gouttes. 700 millions de gouttes. 700 millions de gouttes. Sous combien de temps? Qui bénéficie de deux paiements. Vous entendez ça? 3% d'intérêt en gouttes, 1,5% de toutes les ventes Nissan chaque mois, en dollars. Ok. C'est-à-dire que depuis que nous vendons nos machines, on a gagné 1,5% sur lit. Alors, je vais traduire pour nous encore. De juin 2017 à juin 2018, combien cob nous avons 747 000 dollars américains, soit 50 801 000 gouttes. Ça n'est pas capital, non? C'est pas capital, non? On n'a pas l'avant. Intérêt. Intérêt et cote part. Parce que nous, contrat à si on va dire intérêt de 3%, cote part de 1,5% sur toutes les ventes de Nissan. Et contrat à aller plus loin. D'ici deux bagages. L'ONA peut désigner à n'importe quel moment un auditeur pour vérifier les ventes de Nissan. Deux, le patrimoine de Reginald Boulos est en garantie de ce prêt. OK. C'est plus bon placement qu'on a fait. OK. Donc ça veut dire que si nous comprenons bien, c'est pas un prêt, son placement. Son placement lié. Alors, il y a deux termes que je dois dire. Je dois dire, dans l'autre langage, je dois dire, on prêt participatif. C'est-à-dire que c'est comme si l'on avait une association dans le temps. Ou bien, il y aurait le placement. Son placement le fait. Il y a l'heure pour commencer à rembourser capital là tout. Mais tout pendant 10 ans, l'ONA gagne 1,5% de toute vente Nissan pendant 10 ans. C'est, si l'ONA a qu'à faire 25 placements comme ça, l'ONA a campé. Par contre, moi, je ne vais pas quitter. Pas quitter non plus. Mais il y a près de 4 millions de dollars faits depuis 8 ans. Si pourquoi je vais rapporter l'ONA au bout? Pas vraiment des directeurs de l'ONA. OK, qui est prêt qui fait d'un port depuis 3 ans, qui pour que j'aime tout son corps. Directeur Ronara et d'ailleurs on va comparer.
c'est pas sous président Jovenel Moïse que par la France a fait. Mm-hmm. C'est sous président Privert, par le directeur Rénal Benjamin, que ce contrat a été signé en 2016. Mm-hmm. Mais maintenant, attends. Vous n'êtes pas financier, pas économiste, pas banquier, avec des yeux de profane. Si par rapport à chiffre qu'on saute banon tout à l'heure là en termes de vente, si vente était aussi bas, qui ça explique que on a une possibilité de faire tout comme ça avec vous? Qui vente aussi bas, ma revente soit bien. Là, on a parlé de quantité de machines qui étaient vendues. Non, mais je ne parle pas ouvertement. Et tout le monde connaît comme un homme d'affaires agressif qui fait dans le marketing. Mm-hmm. Nous achetons Nissan en 2017. Mm-hmm. Le acheté Nissan te qu'on vend 400 machines par année. Vous voyez combien nous vendons pour 12 derniers mois? 700 Nissan. Okay. Et l'on a bénéficié surtout de 700 Nissan. Okay. Donc nous, et où est Nissan dans la rue? Mm-hmm. Mm-hmm. Ok? Or, où est son engouement qui est un petit corps? Et frontière là, qui a un bouquet là, qui a un nouveau patron là. Donc, c'est-à-dire que l'on a une partenaire et l'on a bénéficié de notre travail mafia. C'est-à-dire qu'on a voulu diaboliser un placement qui est le meilleur placement de l'ONA. Si tu vas demander au directeur administratif, au directeur financier de l'ONA, nous sommes les meilleurs payeurs de l'ONA parce que notre paiement arrive une semaine le plus souvent avant l'heure. Nous pas jamais en retard. De pourtant de nous commencer à faire un placement ça et moi aller plus loin. Comme ça que l'on a pensé. Côté le pays. Comme côté le pays, la BRH. Comment ça peut apporter l'ONA? Zéro goutte. Parce que l'ONA n'est pas intelligent. L'ONA a fait placement et non, ça a eu l'obligation BRH 7%. Bon, 7% en goutte. 7% en goutte. Vous d'accord avec? Oui. Yeah. 7% en goutte. Moi-même, je paye l'ONA en dollars. Non, on parti. Non, on gagne 3%. On gagne 3% en goutte. Non, on gagne 3% en goutte. Uh-huh. On ne coûte pas en dollars. Oui, 1,5. On ne coûte pas en dollars. Qui pique gros. On a dit chaque fois par là, chaque mois, pique en dollars que vous vous intéressez. Et nous avons proposé un autre problème. C'est que vous avez un sous-par-mesou, vous avez un zéro intérêt en goutte. Et vous passez à 2,5%. C'est vous qui avez choisi que vous avez fait la part des choses. Parce que vous connaissez comment vous avez fait. Donc, quelque part, moi-même m'a encouragé à continuer à faire. Maintenant, on peut formaliser ce que ça veut dire. D'abord, en retournant sur l'ONA même, je pense que question de 10% de recettes qui peut servir et pour fonctionnement, il faut l'appliquer. C'était World Chaos. C'est World Chaos pour vous. Mm-hmm. Okay? Ça, c'est un. Deuxièmement, le quatrième mot que je t'avais donné dans la 205 dit les prêts aux contribuables de l'ONA. Pour que vous bayez mon prêt, il y a assez comme de l'ONA pour que tout le monde qui fait prêt sous salaire, ou combien sont prêts garantis normalement, si pas, on ne t'a pas de payer plus que 3%, on ne t'a pas de payer plus que 3% pour toute raison. L'intérêt est fixé en fonction du risque. Ce prêt n'a aucun risque. L'oral font prêt dans l'ONA valide. C'est tout comme vous contribuez au préto. Ça veut dire que contre l'ONA Bawali, que de vous pas payer, vous devez prendre comme ça. Donc, il n'y a pas de risque. Mm-hmm. L'ONA devrait passer. L'autre jour, m'a fait une émission sur ça, docteur Reginald Bolos. Et d'abord, il faut me dire que, au moins, il y a un éclaircissement qu'on peut porter là. Monsieur, c'était que, pas qu'il y a trop de monde qui t'a peut-être venu sur la question, comme l'ONA par rapport avec quoi, qui t'a un détail qu'on bail là. Parce que quelque part, en pile fois, le monde n'a pas tout donné ou tout, les qu'on prête à confusion et à équivoque. D'accord. Mais ceci n'empêche pas cela. Il y a de gros monde dans le secteur privé qui prête une quantité d'argent dans l'ONA tout pour que j'aime un goût, soit dit en passant. Regardez, pas mettez-moi là-dedans. Et ça me dit, quand ça me dit, dans mes directeurs, dans mes directeurs, on a publié. Nous avons tout le secteur privé, tout sénateur, tout député qui prête comme dans l'ONA et puis combien qui est productivité. Mm-hmm. Combien de jours, combien de mois, combien d'années, combien de Mdame directeur chez Snelpierre, capitaine Denla, gardez est-ce que le capable
Ndaka dit jouer jouer transparent ça avec nous. Très certainement et de vous parler de l'argent ici, monsieur est certain que vous pouvez dire que non, que débat c'est confidentiel et vous pas capable révéler toute qualité saucisse qui était cela, mais n'a pas eu de l'argent contribuable quand même. Non, l'argent on a... bon, corrigeons pas vous. Hein? L'argent de l'ONA, c'est d'abord l'argent du secteur privé et des emprunts. Oui, oui. D'accord avec. C'est certain. OK. Mm-hmm. Donc ça c'est premièrement, ça c'est que ce qui expliquait pour qui ça tout, l'ONA a un droit placé comme dans le secteur privé pour le faire comme il y a fait. Oui. C'est ça, oui, l'objectif. Uh-huh. C'est fait rentabiliser. Okay. Mais même pendant avant là, je mettais voir ma voix pour demander de directeur ONA, publier la liste tout nek qui doit l'argent à ONA, et puis depuis combien de jours il y a un produit. Mhm. N'ta content ça et me lancer appel là publiquement à directeur Chesnel Pierre pour le mettre disponible pour ça pour moi qui côté arriver dans transparence. Je vais aller plus loin. Mm-hmm. Moi j'ai vu une liste de voitures financées pour des petites bourses. OK? Mm-hmm. Comme pour des petites bourses. Il y a 780 millions de bourses financées pour des petites bourses. Pour compte combien de taux d'improductivité a-t-il? 92%. Pourquoi ça avait dit il y a un mec qui a 360 jours pour que je me convertisse hein, sous machine. Pourquoi ça va arriver autant? Je vais aller saisir machine ça, valeur machine, la valeur saldoué, valeur saldoué a dépassé longtemps valeur machine. Mm-hmm. Donc, encore une fois, je vais demander de dire que chez Snellbière, Valérie Numa, Réginal Boulos, ensemble, je vais demander de dire que chez Snellbière, publier liste, faire trois listes pour nous. Tout placement que je fais dans le secteur privé et qui dernier fois mon paio fait un paiement et est-ce que à jour et si on pas à jour combien de jours ça veut dire combien de mois ça veut dire combien de deuxièmement faire liste tout député et sénateur qui fait prendre un ONA qui pas jamais payé ou bien qui pas payé ou bien qui paye météo par jour tout quand vous faites pour le météo par degré de jour que vous gagnez en ONA bon paye à apparaître en l'air vous pouvez payer à apparaître en dernier de couleur à bocane scolaire. Mm-hmm. Okay? Et puis faire prêt à la consommation que l'on a fait, yo, bah, il lit tout le monde. Tout. Écoute, la banque qui a un carte de crédit que mon papa paye, il a publié dans le journal. Ouais. Donc, pas que pas vu une dîme de travail. Oui, mais sauf que inconvénient gain et pour une différence, hein, c'est que mon qui dit que tu as carte de crédit, qui est responsable banque, c'est pas mon député ou bon sénateur qui mette. Ah, mais écoutez, excusez l'expression, oui. Alors, mettez, soit revenant d'un côté. Oui, moi, expression. Oui, ok. Vous lisez alors. Pas y avoir. Depuis que vous commencez à publier ça, je vais aller dans le Parlement chaque jour. Ok. Je vais le convoquer dans le Parlement chaque jour. Alors. Il a fait travail. Ok. Mais Chesnel Pierre, que je connais, je pense que monsieur a suffisamment de poigne. Je pense que monsieur, par contre, qui côté la privée, non, il a dit devoir de maison que nous balis là. Mais. On va regarder avec qui j'ai le capable d'avancer. Mais bon nous dit bail docteur Boulos. Oui. L'autre jour m'a fait une émission, m'a posé des questions ONA. Moi dit si me responsable un fond comme ça. Et n'en déplaise à ou même peut-être que gien doit c'est pas comme ça m'ta pas approcher la veille. Et peut-être que me gien pas pris tout. Ouais, me gien pas fait placement là. Bon les sugo pour qui ça? C'est pas parce que un gros problème avant non, mais c'est parce que m'ta fait une sorte de appel à proposition moi-même. Pour m'ta fait placement m'ta tout garder est-ce que son bagage qui productif rentable mais deuxièmement faut me garder qui ça t'a gagné tout comme retomber sur le collectif dans sens par exemple on a qui vient avec un projet on dit il gagne pour le faire 300 400 500 ou bien 2000 logements par exemple et puis me dit un projet comme ça non seulement il est rentable deuxièmement la baie pays a un autre look. Troisièmement, on va résoudre un problème en termes de logement en d'un pays. Donc, on t'a tenu compte de tout paramètre ça. Bon, okay? Pas me répondre. D'abord, et dans le troisième mois que on a quatre rôles au NAR, bah, là, bien, c'est très rentable. OK? Parce que, avant tout, l'ONA sont fonds de pension. Dans tous les pays au monde, les fonds de pension ne font pas des appels à proposition. Ils cherchent des investissements rentables qui donnent d'abord qu'il y a le minimum de risque, parce qu'on ne peut pas perdre du carbonat non plus, qu'il y a le minimum de risque et qu'il y a le maximum de rentabilité. Oui, mais docteur Boulos,
Non, Reginald Boulos. Attendez, qui t'aime fin avant? Oui, mais attends, attends, ça dit à Gendoua correct, mais sauf que attention, moi-même, moi, du, m'a toujours joué nous bail qui est rentable, qui est productif, mais qui tout encourage, par exemple, qui tout encourage, par exemple, la production nationale, pourquoi pas? Mais Marc-Dou, de vous parler de production nationale, ton prêt agricole, c'est peut-être pas ton fonds de développement agricole qui vous fait. C'est peut-être pas dans tout pays au monde, aux États-Unis, c'est une subvention qu'on donne aux agriculteurs américains. Parce que ce sont des réalistes, ou mauvais temps qu'a passé, ou cyclone qu'a passé, et puis le manger, récolte ça, qui s'en est la pral douleur ça, ou pas qu'à prendre comme pensionner l'ONA, pour jouer contre ça avec elle. Il y a des fonds de développement agricole qui doivent être mis en place par les Haïtiens, avec l'aide de la Banque centrale, avec l'aide des institutions internationales, pour qu'ils sont des prêts qui peuvent prendre plus de risques, non pas qu'à demander l'ONA pour un prêt à risque, avec l'argent pour demain, pour payer Mounio. Qui ça l'on a fait pendant des années? Et m'a dit, au fond, il analyse. Il fait 10 ans avant dans BRH. Pendant que vous de la passez de 40 vous de la 72. Où est-ce que vous comme ça? Je dis, elles vont revenir d'eau là. Donc, ça, il n'y a pas. C'est pour faire. Écoute, dans tous les pays au monde, il y a des fonds de développement agricole. Il y a des fonds de petites et moyennes entreprises. Tu sais pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, est-ce qu'on connaît que 90% des petites entreprises qui démarrent échouent en un an? C'est la réalité. Mais c'est 10% qui créent chaque année, hein, qui créent majorité d'emplois. La majorité des emplois aux États-Unis ne sont pas créés par les grandes entreprises. La majorité des emplois aux États-Unis sont gérés par les petites et moyennes entreprises. Or, le jeune étudiant en ingénieur qui a fini d'étudier, qui t'a un montant de petite compagnie de construction, il n'y a pas qu'à jouer prêt pour l'acheter un petit camion, pour l'acheter un petit bateau l'odeur, l'oblige à louer machine qui mange tout comme profit, là le contrat. C'est ça que vous développez, c'est lui qui parle de job. Ou un bon exemple qui vient dans des limaces. Vous croyez qu'on parle avec lui, par contre. Nous avons producteur crémas. Qui était qu'on vend nos crémas dans des limaces. Il commençait par vendre une des limaces. Là, elle commence à avoir 3 employés. L'occasion de l'Imata, elle a 12 employés qui étaient 5 livrés de la veille, 95 semaines. Mais pendant le une petite entreprise aussi, ça a dit Florissant, il vient de nous acheter un petit camion, il vient de nous prendre lui, nous finançons un petit camion pour lui. C'est ça, oui, pour faire chaîne de développement. Il y a l'idée, non, que le révoqué 8 sur 12 mondes. Donc, c'est les petites entreprises comme ça. Nous, nos seuls producteurs viennent. Qu'elle a acheté bœuf dans le pays, qui rentre avec elle, qui va côté le tuer. Combien de coques par année, elle vend deux délimats seulement? 700 000 dollars américains par année. Comme ça, je dis, si par contre, côté pour la bœuf, il y a. Donc, il y a une chaîne dans un pays. Il y a une chaîne économique qui commence par le petit producteur, qui passe par le transformateur. M'a retourné, docteur Boulos. Ma retourne sous question investissement, sous question accès à capital. Par exemple, en 2008, moi fait on prend en Sofides. Moi gagné aux amis le temps de toi. Monsieur dit ah Valérie, dans place on va faire papa. Oh, où est tout ça?